Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France? Telle est la question unique, directe, sans ambiguïté qui est posée en Algérie. La réponse, elle aussi, est sans ambiguïté. 6 millions de votants répondent oui et à peine 16 000 répondent non. L'indépendance est approuvée à 99%. Le 3 juillet 1962, le général de Gaulle reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Les pouvoirs exécutifs de la France sont officiellement transmis au président de l'exécutif provisoire, Abderrahmane Farès. Pour l'armée française aussi, c'est le temps du départ.